plutôt des choux en pot. C'est une méthode qui va très très bien. On arrive à très bien gérer les maladies et on peut les passer au gré de la culture. Si on a trop de pluie, si on a trop de soleil, on peut toujours s'arranger pour le mettre à l'ombre ou à l'abri. Aujourd'hui, je vais vous montrer les Romanesco, mais c'est valable pour tous les choux, sauf les choux trop volumineux. Mais les choux fleurs, Romanesco, brocoli, Bruxelles, prendre un pot un peu plus large, et ça sera la même méthode toujours. Donc ce sont des plants qui ont été semés déjà il y a pas mal de temps. Ils ont été repiqués deux fois. Deuxième repiquage le 27-4. Ils ont dû être plantés en début d'avril. Et là on est 25 mai. Quand ils ont 4-5 feuilles comme ceci, on va pouvoir les planter en pleine terre. Alors je vous montre comment je fais. Alors, un seau, contenance de 10 litres, il fait à peu près 30 cm de diamètre, 30 cm de haut. J'ai percé des trous à 3 cm du fond, 6 à 8 trous. Les choux n'aiment pas trop avoir les racines dans l'eau, donc c'est nécessaire de faire des trous. C'est une plante qui est très gourmande en nutriments, tout au long de la saison. Au début, on va mettre beaucoup d'engrais. Après, pendant la culture, on apportera un amendement sous forme de thé. Moi, j'utilise du thé que je fais moi-même. Je vous ai montré déjà sur une vidéo. C'est du purin de cheval avec de l'eau et on laisse macérer ça pendant 2 mois. Et ensuite, à chaque fois qu'on veut prendre un petit peu d'engrais, on prend 1 litre de ce thé qu'on mélange à 10 litres d'eau. Donc, sa culture, on met en premier, on met une bonne couche de fumier, de cheval. On y ajoute un terreau, soit du terreau, soit du compost, la terre à manger du compost. Et ça, je le remplis à ras bord. J'y ajoute une grosse poignée d'engrais biologique que je vais remuer en surface, profondeur de 10 cm. Ensuite, je vais creuser un puits assez profond. Je prends mon plant. Je le plante à la hauteur des premières feuilles. Et je tasse bien. Il va se redresser, hein. Il n'est pas droit, mais il va se redresser. Je vais leur donner un coup de fouet maintenant, avec un amendement. C'est de la farine de poisson et de l'algue marine diluée dans l'eau.